Merci beaucoup. Je suis très, très touché par les paroles de Monsieur le ministre et j'espère qu'il sera entendu, que l'image de la Tunisie ne reste pas confondue avec ses actes barbares. La Tunisie est en train de, dans une opération de refondation de sa démocratie nouvelle, toute nouvelle. Et je crois que c'est pour cela qu'elle est ciblée et on s'attaque aux cibles là où ça frappe mal. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des incidents à Paris qu'on n'ira plus à Paris. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un grave incident à Tunis qu'on n'ira plus à Tunis. Et je rejoins dans mon appel l'appel de M. le ministre pour que les Suisses viennent en Tunisie. N'oubliez pas qu'elle vient d'avoir le prix Nobel de la paix. Oui, absolument, qui est en fait la récompense pour tous les Tunisiens, et c'est une démarche tunisienne. Qui associe tout le monde. Absolument. L'Assemblée nationale constituante a été le pendant du dialogue national. Et donc, cet exemple-là est très envié par ces gens qui ne veulent pas le progrès, et qui ne veulent pas de la liberté. Et c'est pour cela que la Tunisie est ciblée. Et c'est pour cela que tous les hommes et les femmes libres du monde doivent soutenir la Tunisie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale constituante.